Wesh les amis, alors j'espère que vous allez bien, mon truc ça rend nickel. Aujourd'hui on est là pour une toute nouvelle vidéo, encore une fois une vidéo incroyable. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo, tu me diras? Bah tu l'as vu au titre et à la miniature quand même, tu vas réfléchir un peu. Aujourd'hui je vais partir chez le coiffeur bien évidemment et je vais me boucler les cheveux, d'accord? Ça veut dire que ça va partir, au revoir les afros. Donc voilà, je vais me faire une permanente, un curl, tout ce que tu veux. Juste avant que la vidéo commence, je serais vraiment sûr pour liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne. On est vraiment heureux pour les 10 000 abonnés les gars, donc c'est vraiment plaisir. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur Instagram et sur Twitter, il y aura tout à l'écran, donc vraiment c'est grave plaisir les gars. Et du coup bah sur ce on est directement parti pour aller chez le coiffeur. C'est parti, let's go. Après 11 cas de distance, 6 mois de flow pur, j'observe pas mal depuis de faire les obscurs. Tosséna, Tosséna. Je stagner la colère des collègues qui bossent dur. Jamais je parlerai si je suis pas sur leur. Est-ce que vous pouvez juste me dire comment ça va se passer? Ok, alors on va le faire ça en deux phases. Deux phases, ok. Le premier, ça va être le lissage. Mm-hmm. On est obligé de lisser les cheveux crépus d'abord pour avoir une texture plus lisse. Ok. Et arriver à cette texture plus lisse, après on va entamer l'enroulage des rouleaux. Après vous allez me faire comme une permanente, c'est ça? Voilà. Ok. C'est ça. Curly et permanente, c'est pareil, sauf que... C'est pour les noirs curly et permanents. Le curly, c'est vraiment la partie pour les noirs, parce qu'on a la phase lissage. Okay. Voilà, pour les européens, c'est juste la phase bouclage, qu'on appelle permanente. Okay. Voilà, voilà. Le mec sera de pour t'enlever ta vie à la recherche des sous, on fait pas par envie. T'as remarqué qu'on est pas d'impoli, donc mon gars, on s'en bat les couilles de ton avis. Ouais, c'est vraiment bizarre de pouvoir bouger les cheveux comme ça. Là, c'est la lotion qui va bouclante. La lotion bouclante. Voilà. Quand je ferme les paupières, si les gros peuvent pas attraper, c'est mauvais. La musique. Là, vous mettez le produit et après vous allez mettre les rouleaux. Okay. Ensuite, on laisse poser, c'est ça? Poser, je vérifie en même temps. Et après, on refait un shampoing. Et après, on rince, on rince. Et après, il y a la troisième phase aussi où on va fixer. Là, ça nous permet de boucler. Là, on change la texture. On a changé une première fois pour que ça puisse devenir lisse. Maintenant, on va transformer les cheveux pour que ça boucle. Une fois que les deux sont terminés, on va passer, une fois qu'on est au bac, on passe au passage de fixation. Okay. Pour fixer les boucles qu'on vient de créer. Okay, okay. Je me rappelle quand c'était fucked up. J'ai vu la misère au jour le jour. J'écris ma peine dans un bloc-notes. Je voyais ma daronne à court de sous. Quand personne n'avait confiance en moi. Dans 5 minutes, je vais vérifier. L'ensemble, si la frisure me plaît, à ce moment-là, on va rincer. Par contre, à partir de là, c'est rapide. Une histoire de 5 minutes, dès que c'est bon, je rince. Et après, on met le fixateur. On attend 5 minutes. Et puis après, on rince. Et après, on enlève. On enlève le rouleau. Là, on va attendre combien de temps? Il est con, quoi. Là, on va faire 5 minutes. Après, ça dépend pas de moi, ça va dépendre de comment tes cheveux vont prendre. 5 minutes, je vais vérifier la frisure. Si je trouve que la frisure, elle est correcte, je pense que la frisure de devant, il va être correct. Ah, je vais commencer par oui, devant. Bon, c'est bon, oui. Après, s'il faut attendre encore une petite 5 minutes, et on va attendre comme ça en tout 10 minutes. Et après, là, je rince. Quand je vais finir de rincer, on met 5 minutes de rinçage quand même. Hein. Mm-hmm. Sûr, on laisse que l'eau coule dessus jusqu'à quand on se débarrasse de toute la crème qu'on a mis dessus. Oui, oui. Voilà, et après, je sors et après, là, je mets le fixateur pendant 5 minutes. Une fois que le fixateur est posé pendant 5 minutes avec le cellophane, après je commence à enlever les rouleaux. En ce moment, tous les jeunes, vous aimez bien la permanente maintenant. Hein? Oui. C'est quelque chose qui était démodé. Ah bon? Oui. On disait que c'est les vieilles qui faisaient ça. Maintenant, ça revient à la mode. Mais avant, c'était vraiment démodé. Hein? On faisait très peu de permanente. Maintenant, tout le monde en demande. Moi je trouve que c'est beau. C'est beau, oui. Mais après, on est rentré dans une époque où les gens ils veulent rester avec leurs cheveux naturels, les nappies. Où les gens ils ont arrêté de mettre des produits sur leur tête. Parce que les gens ils veulent rester naturels. Voilà, les gens ils veulent rester naturels, mais le problème c'est que rester naturel, mais avec nos cheveux, c'est pas facile. Oui, bah oui. Voilà, parce que toi tous les soirs tu vas faire des twists pour pouvoir après à un moment donné pouvoir twister le matin et puis après toute une nuit, après tu enlèves ou deux jours et après tu enlèves, tu as des cheveux un peu wavy, j'appelle même pas ça des boucles, j'appelle ça des wavy. C'est quoi wavy ça encore? Wavy c'est quand les cheveux ils font des dessins. Oh, des nus, donc je te laisse en vue. T'es une 2002 donc je te laisse en vue. Tu fais du 43 donc je te laisse en vue. J'ai déjà vu. Tu veux que ton truc filme derrière, non? Voilà. Quand tu regardes pas, tu tournes juste, voilà, tu restes comme ça. Hop, tu fais comme ça. Ah. Voilà, et puis comme ça, au moins, ça va tout voir. Hein? Oh, franchement, c'est bien. Hein? Ah bah oui, ça bouge maintenant. C'est marrant, hein? Si c'était par rapport à quand t'avais les cheveux coupés, mais par rapport aux boucles, je trouve que t'as assez de longueur par rapport à ça. Du coup bah surtout c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne, ça fait grave plaisir frérot. On est vraiment heureux pour les 10 000 abonnés là, on est 6 000 je crois quand je tourne ou trop tu vois. Du coup là comme vous l'avez vu, en vrai là j'ai mes boucles tu vois, je suis vraiment beau.
Il y aura toutes les informations du salon dans la description, les gars. Donc ça veut dire le salon il s'appelle Diary. Non, je crois que le salon il s'appelle Ndiary Coiffure, je crois, ou un truc comme ça. Diary Coiffure, on verra. De toute façon, il y aura tout en description, les gars. C'est à Paris dans le 12e arrondissement. Donc ceux qui veulent y aller, vraiment dites que vous venez de ma part, ça lui fera grave plaisir, je pense. Les tarifs c'est 60€ pour la permanente et 15€ pour la coupe, je crois. Donc en vrai, la permanente 60€ c'est normal, c'est un tarif normal, tu vois. Et la coupe normal aussi en vrai. Ouais, normal aussi, c'est un peu cher la coupe, mais normal aussi en vrai. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur TikTok et sur Discord, il y aura tout aussi en description, les gars. Moi, les gars, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous. Je vais un petit peu raconter ma vie pour cette vidéo, tu connais. Donc là, je tiens à dire que je suis pas chez moi, comme vous l'avez vu, je suis pas chez moi là. En fait, ça c'est pas chez moi. Chez moi derrière, c'est pas vert, c'est plutôt rouge. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Donc là je suis actuellement en vacances, même en vacances en charbonne, tu connais, même là je suis en train de faire le petit montage de cette vidéo justement, tu vois. J'ai pas encore avancé de ouf d'ailleurs, faut vraiment que j'avance. Voilà, il y a tout qui va bien, il y a mon chien qui est là, je vais vous le présenter, d'accord. Enfin, vous l'avez déjà vu, il faut le représenter, d'accord. Là-bas, va là-bas, voilà, tu vas là-bas. Viens avec moi, non tu viens là, elle veut pas venir. Viens, pourquoi tu fais la timide là? Elle est là, regardez, la voyez là ou pas? Je suis l'avant. Non mais non, je rigole, c'est un prank, calme-toi, ok. Moi les gars, je vous fais de gros bisous. Non, par contre, tu restes pas devant la caméra. Mais oust, je fais des gros bisous, les mecs. Voilà ce que j'ai déjà dit de me follow sur Instagram et sur Twitter, je sais pas. Mais faites-le, ça fait plaisir. Au revoir. Et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si j'ai pas la flemme et que je veux charbonner et que vous abonnez tous et qu'on arrive aux 10 000. Yeah. Allez, ciao. T'es dans la party, babe. Phénoménal, elle fait comment parler. J'ai mauvaise money, babe. J'suis dans le monument. Étoile gravée en bas du bloc. Rebeve money, jamais j't'ai menti. J'te fais comme animal. J'suis admirateur, j'aime bien quand on boule, je navigue. Yeah. N'aie pas peur, mais fais gaffe ici, ça va vite. Yeah. J'te donnerai mon love seulement si tu me nettoies la. Regarde-moi ces cons, ils bicravent à perte, ils prennent même pas un billet, nos jours sur une quête. Ils font les bandits mais refusent des têtes. 2020 devenu banal de voler des textes. On n'est pas comme eux, ça ils savent déjà. On a fait danser même les sons de Dijon. L'uranium dans le biberon, donc les dédias. On va retourner ta tombe comme un rap à DJ. Redeviens grand fogor, la personne qui s'approche va grailler un coup de crosse. Faut faire des remplis de ma pessa. J'ai la guitare alors je mène la danse. Je rentre dans la zone, je vais les choquer. Nonchalant comme Murasaki Barra. Ils sont bons qu'à copier comme qui sait. Pour percer on a pas besoin de Boumara. T'es pas un vrai négo, donc...